ordres de grandeur en fait des ondes qu'on utilise, on peut donc donner ce qu'on appelle les familles. Ces familles donc sont les ondes radio, les ondes radar, et tout ça va donc avoir différentes applications. Dans le cas de la lumière blanche, on est capable de la décomposer, d'accord, avec les prismes, avec les réseaux, et d'obtenir en fait un spectre. Ce spectre, c'est la continuité dans sa composition de toutes les longueurs d'onde en lumière, allant du violet au rouge. Et chaque longueur d'onde qui sera donc caractérisée dans le spectre donnera une relation entre lambda, C et nu. Petit retour sur la composition de l'atome avec protons, neutrons, électrons dans le modèle de Bohr. On va tenter dans cette partie d'expliquer de manière un peu vulgaire ce que qu'est la quantification. Alors la quantification, c'est lorsqu'on va être capable donc de tracer les niveaux d'énergie d'un électron, tout au moins de l'atome, lorsqu'il absorbe ou lorsqu'il libère de l'énergie. Alors en fait, hein, dans l'application qu'on va utiliser, qui est disponible sur science.univ-nantes.fr, ce que l'on voit, ce ne sont pas donc des orbitales, hein, ce sont bien des niveaux d'énergie, hein, c'est-à-dire des stades pour lesquels l'énergie augmenterait au fur et à mesure. Et on s'aperçoit qu'un atome est capable donc d'absorber ou de libérer de l'énergie. Alors, nécessairement, s'il absorbe de l'énergie, il va passer dans un état d'énergie supérieur, donc il est ce qu'on appelle excité. Mais ce n'est pas son état de stabilité. Son état de stabilité, c'est ce qu'on appelle le niveau fondamental. Et donc son état fondamental, lorsqu'il y redescend, il va donc libérer. Et donc l'absorption et la libération d'énergie pour les atomes, ici en tout cas, elle se fait par le biais de ce qu'on appelle le photon, tandis que donc la lumière. Cette lumière, elle se caractérise donc par une onde sinusoïdale qui va dépendre de la longueur d'onde lambda, donc chromatique. Elle va dépendre donc de la fréquence ou la période, grand T, selon ce qu'on préfère étudier. Donc ici, on a essayé de retrouver donc sur des schémas cette absorption, cette émission de lumière, d'énergie pour les atomes de manière générale.